Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chant qui permettra de chauffer la voix et travailler sur la technique de l'assouplissement de la voix pour gagner plus de son. Je suis Marianne Dedal, je suis chanteuse professionnelle et professeure de chant en conservatoire. Pour commencer une chauffe, on commence toujours par préparer le corps. Toujours un travail physique avant. Donc je vous propose qu'on relâche un peu. Essayez de chercher si vous avez des tensions, si vous avez besoin de vous réveiller, d'être un peu dynamique. On va un peu détendre le visage. Le visage, c'est très important parce que c'est là qu'il y a tous les muscles qui vont donner une couleur à votre son. Donc il faut que tous les muscles soient vraiment bien réveillés et conscients, que vous ayez le plus de finesse possible dans vos sensations. On va réveiller un peu la bouche, donc je vous propose de passer la langue un peu partout dans la bouche comme si vous vouliez vous nettoyer les dents. Essayez d'explorer le plus possible. On va gonfler un peu les joues pour détendre les muscles. On peut faire semblant de bâiller, ça permet de placer le voile du palais et de gagner de la richesse dans le son. Super, on souffle. Ensemble, encore. Et bien, maintenant on va accompagner la respiration avec un mouvement de la colonne vertébrale. On va inspirer en cambrant et expirer en rétroversant. Attention, il ne s'agit pas non plus d'exagérer et de se retrouver comme ça, mais un tout petit peu la colonne vertébrale doit être souple. Je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais ça bouge. Regardez les chanteurs professionnels qui ont des vrais niveaux de technique vocale. Vous verrez que la colonne vertébrale travaille quand on expire. On inspire, on s'ouvre et on souffle, on referme. On inspire et on souffle. Donc ce qui se passe, c'est qu'assez légèrement, on va cambrer légèrement quand on inspire en ouvrant. Et rentrer le nombril et effacer la colonne vertébrale quand on expire. Encore. Je caricature pour que vous voyez. On inspire. Et on expire. Ça, c'est un travail qui se fait en permanence quand on chante. Encore. On inspire. Et on expire. Super. Ça va, une fois qu'on a préparé le corps, on peut commencer à rentrer le son. Pour rentrer le son, on attaque toujours par des sons qui sont doux, des sons qui régulent la pression. Donc par exemple, on peut faire du battement de lèvres. On peut faire des battements de langue, un R roulé. Ou on peut faire des bouches fermées. Choisissez ce qui vous est le plus confortable. Aujourd'hui, je vous propose les R roulés. À vous. Pardon, sur la
même hauteur. Un autre un peu agacé. Un autre craintif. Un autre joyeux. Sur la couleur de la voix. Un autre qu'on va faire colérique. Un surpris ? Très bien. Maintenant, je vais le faire avec vous. On va monter, on va descendre et je vais appeler un sentiment à chaque fois avant. Donc là, je vais vous demander de le faire vraiment fatigué. Terrifié. Des termes anglais, parfois des termes allemands. L'idée, c'est qu'on prenne une note, qu'on la fasse évoluer vers une couleur et qu'on revienne en arrière. Par exemple, okay. Donc dans votre tête, choisissez quatre émotions. Je vous laisse le temps d'en choisir quatre. Une fois que vous avez les quatre émotions, vous partez sur votre son et vous passez de l'un à l'autre. C'est parti. Sur une autre note, quatre émotions différentes. Je vais vous en donner plusieurs, comme ça. On va dire en détresse, on va dire pensif. En détresse, pensif, coincé et observateur. C'est pas tout à fait des sentiments, mais ensemble. Okay. J'en donne quatre autres. Rageux, rêveur, dubitatif. Et anxieux. Ensemble. Quatre autres que vous choisissez, vous. Pour votre imagination, sachez que ça peut être un sentiment, ça peut être toute autre chose. Vous pouvez choisir d'en faire un rouge, un vert, un bleu, un jaune, si ça vous parle. Vous pouvez choisir de faire un qui vous fait penser à la mer, l'autre qui vous fait penser à la montagne, un qui vous fait penser à votre chat, l'autre qui vous fait penser à votre voisin. Ça peut être un visage, tout ce qui va être de l'imagination et qui va être surtout contrasté. Donc passer d'un visage de quelqu'un que vous aimez à un visage de quelqu'un qui vous agace, passer de votre animal de compagnie à une limace. Essayez vraiment de varier le plus possible et d'avoir des choses contrastées. Encore ? Technique par un travail corporel, puis un travail de souffle, un travail qui régule la pression et un travail doux sur la voix. On peut commencer avec des choses plutoniques maintenant. On peut continuer avec des choses plutoniques. Par exemple, vos vies, vos vies, vos. Ensemble. Vos vies, vos vies, vos. Vos vies, vos vies, vos. Vos vies, vos vies, vos. Très bien. Maintenant, on va le faire mélancolique. Seductif.
on arrive dans les aigus, il faut chercher des sentiments plutôt d'ouverture que des sentiments où on va s'énerver. Parce que pour les aigus, on a besoin d'être très ouvert ici. Donc on peut faire par exemple étonné, complètement enthousiaste. Maintenant, on peut faire un travail de technique vocale par rapport à la langue et à tous les résonateurs du visage qui vont donner une couleur particulière à votre voix. Donc, par exemple, on peut faire télétunestel, 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 télétunestel. L'idée, c'est vraiment de travailler sur la diction et sur la tonicité de la langue. La mienne vient de fourcher. Encore un et télétunestel, 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 télétunestel. Un autre t et télétunestel, 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 télétunestel. Un autre T. Télétunestel, 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 télétunestel. T. Télétunestel, 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 télétunestel. T. Télétunestel, 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 télétunestel. Plus la langue va être musclée, plus vous allez pouvoir contrôler du point de vue de la couleur du son de ce que vous voulez faire. Donc c'est très important de la travailler le plus possible. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous invite à travailler tous les jours. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des besoins spécifiques, des demandes de tutos que je pourrais faire pour vous. C'est avec plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et j'espère à très bientôt. Travaillez bien !